Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vous retrouve dans ma salle de bain. L'Oréal m'a proposé de tester une toute nouvelle gamme de produits qui va sortir début mars. Il s'agit de la gamme Fibralogy. Je pense que comme moi, en découvrant la promesse, vous allez avoir envie de la tester. Chevelure visiblement plus épaisse. Ouais, enfin bon, comment c'est possible? Il s'agit du Philoxane, qui est un actif qui est capable de créer de la matière à l'intérieur de la fibre. De la fibre capillaire. Merci Janice. Pour ce qui est d'utilisation, il faut bien suivre les étapes sur les trois produits. Donc première étape, le shampoing. On masse bien ses cheveux et on l'applique sur toute la chevelure et on rince. Deuxième étape, le booster d'épaisseur qu'on va appliquer sur tous les cheveux. Ne rincez pas, vous appliquez directement le démêlant. Moi j'ai fait comme d'habitude, j'ai appliqué sur mes longueurs pour éviter de graisser mes racines. Donc là ça fait déjà une semaine que je l'ai testé, donc à peu près 3 applications. Je peux déjà dire qu'il y a des résultats, puisqu'en fait dès la première utilisation il y a des résultats. Déjà au moment de sécher, on sent qu'il y a plus d'épaisseur au toucher. Vous pouvez complètement mettre les cheveux dans votre main et vous en rendre compte. Je vais continuer la prochaine semaine, je vous retrouve dans 7 jours et je vous dirai ce que j'aurais pensé après 2 semaines d'utilisation. Une semaine s'est écoulée, ça fait donc maintenant 2 semaines que j'utilise les produits. Là j'ai fait des boucles hier soir pour un peu tester et je pense que vous pouvez le voir, vraiment on voit la différence, il y a plus de matière. Je me suis amusée aussi à faire des coiffures pendant la semaine et ce qui est fou c'est que du fait je suppose d'avoir gagné en matière, ils sont plus disciplinés, surtout quand ils sont propres. Ça c'était pas mon cas avant, ils glissaient. J'avais un petit peu peur aussi que mes cheveux s'alourdissent et en fait l'effet est très très léger, ils sont pourtant en train de pousser. On m'a même dit que j'avais les cheveux brillants. En fait c'est quelque chose que j'ai remarqué et ça par exemple ça aurait pu faire graisser les cheveux et en fait c'est l'effet inverse. Donc comment vous dire, je suis 100% conquise. Si jamais vous vous lancez, donnez vos avis sous cette vidéo. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser avant de vous lancer. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.